Je veux vraiment prendre ce pari, sans école. Parole d'officier. Les paroles ne s'envolent plus de nos jours. Parole d'officier. Je suis sûr parce que j'aurai l'accompagnement du commandant suprême. Ça me manque beaucoup de moyens, mais j'aurai son accompagnement. Je suis sûr. Ces jours, nous avons convenu d'exécuter d'abord dans un premier temps 731 infrastructures, dont 414 écoles, 269 centres de santé et 48 bâtiments administratifs en vue de restaurer l'autorité de l'État. Comme stratégie, nous avons choisi de travailler avec deux acteurs principaux qui sont les petites et moyennes entreprises et les agences locales d'exécution qui sont en fait les ONG. Iromou, un des deux territoires concernés par cette première phase, bénéficie des 13 écoles primaires et 6 centres de santé répartis équitablement sur l'ensemble de l'entité selon les besoins. Ces écoles comportent 6 salles de classe, un bureau du directeur et une salle polyvalente qui pourra aussi générer des recettes. L'ancien centre de santé a été incendié par les miliciens et le nouveau en construction fera le bonheur de la population locale. Na kazi yetu njema tunapata tunashukuru sana kabisa juu tulikuwa tuko nateseka depuis wakati ya vita hatuna hospitali hatuna nini tunashukuru sana ile kazi njema tunafaa pale na isikatike pale endelee mbele juu sie ba mama surtout ba mama tukunaenda zalia kunyakundi moye de déplacement iko probleme bakaya ba operation ba damu kunini kwa batoto kunini kuishia damu mpaka uende kunyakundi batoto bengine biko kufia hata kunjia. À la grande satisfaction des populations locales. Azane sengo munene ndenge baziko tongela biso ntako na l'hôpital pote to bika. Za merci. Ngana zo sepela kitoko na za mama. Hao wanamboka hoyo. Merci penza. Ndenge na moni bino bana na ngabo ye. Za sengo munene na motema na ngai. Bazoto ngape kole pona bana na biso tozobota. Merci. Pour le chef de l'État, les flux financiers générés par les PEDEL 145 territoires doivent également bénéficier aux populations locales, en particulier aux jeunes et aux femmes qui travaillent dans les divers chantiers. En outre, il faut noter que cette vision du président de la République tient aussi compte du... Un bâtiment de 18 salles, bancs et tableaux en place. Bienvenue à la première école Made in Service National à Kananga. Nous sommes dans la commune d'Onganza, dans le Kasaï central. Une réalisation signée premier bataillon des bâtisseurs formé à Kanyamakasisi. Il reste quelques finitions à effectuer, mais l'établissement peut déjà accueillir ses premiers écoliers. Des écoles comme celle-ci
Kananga en comptera 3. Deux autres sont en pleine construction dans le village de Kanyuka et à Saint-Martin dans la commune de Katoka. Plusieurs autres territoires du Kasaï central sont également touchés par cette vague de construction, comme ici à Chimbolo dans le territoire de Dibaya. Ndemba et Kazumba ne sont pas en reste, les travaux sont en cours. À Luisa ainsi qu'à Dimbelenge, ils seront lancés incessamment. Des établissements scolaires de ce type, le service national veut en construire un par territoire, ce à travers tout le pays. Ceci n'a rien à voir avec le programme de 145 territoires, même si l'un des buts poursuivis reste celui d'améliorer les conditions d'études des enfants congolais. Pour bien étudier, il faut bien manger. Ainsi, dans le cadre de booster la production locale du maïs, le service national a démarré sa première campagne agricole dans le centre de Katwambi, toujours dans le Kasaï central. Une première récolte de cette denrée prisée, un premier pas vers l'autosuffisance alimentaire et la réduction de la dépendance en termes de maïs du Kasaï central vers le Katanga. Lorsqu'il y a pénurie dans le Katanga, le Kasaï peut aller en rescousse. Comme nous le voyons d'ailleurs, ces derniers temps, le maïs vient du Katanga pour le Kasaï. Le Congo est béni partout. Nous avons un bon sol, nous avons une bonne pluviométrie. Entre la construction des écoles et la production agricole, le service national est en train de remplir pleinement sa mission, celle d'être au service de la nation, et devient de plus en plus l'un des bras séculiers de la matérialisation de la vision du chef de l'État. La ville de Bounia est dans une phase de stabilité sécuritaire et celle de la modernisation de la voirie urbaine à travers de nombreuses innovations de ses propres fils, bourrés d'intelligence hors du commun depuis l'avènement de l'état de siège. Le cas dernier est de l'ingénieur électronicien Jonathan Djamba, âgé de 24 ans, concepteur d'un panneau de signalisation érigé au rond-point pique-nique à plein centre-ville de Bounia. J'ai l'ISTA Goma, aux facultés d'électromécanique. C'est de là qu'il m'est arrivé aussi l'idée de faire des signalisations routières parce que la ville de Goma m'a un peu impressionné par rapport à leur conception. Et lorsque moi je m'étais senti un peu capable aussi de le faire, je dois revenir dans ma province natale pour venir les produire aussi ici à Bounia. Impressionné par cette innovation, une première, le jeune de Bounia appelle ceux qui sont dans les groupes armés de cesser avec les violences afin de contribuer au développement de l'Ituri. À l'occasion, le maire de la ville de Bounia exhorte la population à en faire bon usage. Demain, vous verrez un usager de la route saboter cette œuvre. Vous risquerez de le constater après. Mais ce que nous demandons à ces gens est qu'ils gèrent
c'est Tèvre en bon père de famille. Il s'est de signaler que ces projets s'ajoutent à tant d'autres financés par l'administration militaire sous le leadership du gouverneur militaire, le lieutenant général. Le Boya Kachama Johnny, qui suit les pas du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de faire de la RDC un pays émergent via les innovations de la jeunesse.
la stabilisation de la situation sécuritaire dans les territoires du Roumont, dans le secteur de Bayema Sud, galvanise le programme des développements locaux de 145 territoires. En Ituri, en cette période de l'été des sièges, sous le commandement du lieutenant-général Luboyan Kachamadjouni, où les forces armées pacifient lentement et sûrement la province de l'Ituri. Place à la construction des infrastructures sociales de base, notamment le centre de santé et les écoles dans le cadre de ces vastes projets initiés par le chef de l'État qui se poursuit sans désemparer au village Bougoro dans les Bayema Sud. Toussaint Batoumike, ingénieur à pied d'œuvre du bien-être bien vivre, l'ALE responsable de ces trois sites, promet la réception technique de ces ouvrages pour le mois d'avril. Ceux qui continuent à rêver, qui continuent de rêver, parce que comme vous le voyez bien, ce n'est pas une utopie, mais c'est tout à fait une réalité. Ces ouvrages que nous personnellement, moi personnellement, j'appelle affectueusement mes enfants, bientôt là, ils vont naître. Comme vous le voyez bien, ça évolue à un bon rythme. Ce n'est pas question de se fixer des idées ou quoi que ce soit. Voilà, les ouvrages sont là. Le PDL 145T vient lutter contre le chômage tout en occupant plusieurs et leur accordant une opportunité d'emploi. Grâce à ces programmes, j'ai reçu une opportunité d'emploi. Je suis fournisseur des matériaux de construction au sein des différents sites. Plusieurs aussi comme moi ont reçu cette opportunité. Nous encourageons les autorités de continuer dans cette lancée. Au vu de l'évolution de travaux sur terrain, l'érection de la structure sanitaire de Niakiru, l'école primaire et le centre de santé de Bogoro, les bénéficiaires ne cessent de louer cette volonté politique du chef de l'État, qui est celle d'améliorer les cadres de vie des populations. Nous nous réjouissons ardemment pour l'avancement des travaux sur terrain. Nous voulons que ce travail aille jusqu'à sa finalité. Rappelons que tout ceci s'est inscrit dans le cadre de la mission de suivi d'état d'avancement de travaux sur terrain par les bureaux centraux de coordination BESICO, partenaire de mise en œuvre du PDL 145T en Ituri. D'abord, ça a été brisque. Je venais d'avoir l'enfant et puis ça faisait que 4 mois. C'était tellement brisque et c'était tellement difficile. Bon, pendant les temps qu'il n'était pas là, j'avais aussi perdu espoir. Je m'attendais pas qu'on allait encore se revoir. Mais on parlait aussi deux fois au téléphone. Mais après 2 ans, il m'a demandé de venir là où il était. D'abord, j'étais étonnée. Je me disais, ça c'est de la blague ou c'est quoi? Non, il m'a dit, viens, je suis bien, on me paye, je travaille maintenant. Je ne suis plus dans cette vie que j'avais. Maintenant, je suis bien. Je suis maintenant capable de te prendre en charge. Je suis maintenant capable d'assumer mes responsabilités. Il a envoyé l'argent. D'abord, je croyais que c'était de la plaisanterie, mais je lui ai envoyé l'argent. Je suis venue, j'ai pris les transports, j'ai pris tout ce que je devais prendre. Je me suis retrouvée ici. Maintenant, je suis là. Tout ce que je demande, on me donne. On m'aime, je suis bien. Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Ici, je suis bien. Kinshasa ne me manque pas du tout. Vous avez vu qu'il a totalement changé de sa vie d'avant. Ça vous fait plaisir, vous êtes fière? Ouais, il a vraiment totalement changé. Et son caractère et son comportement, il a vraiment changé. Et je suis tellement contente de son changement. Hors caméra, vous disiez qu'il vous aime plus que vous ne l'aimez. Ouais, je disais ça. Il m'aime plus que moi, je l'aime.
parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes ici qui ont pensé à leur femme qu'ils ont laissée là-bas. Pour qu'un homme pense à une femme qu'il a laissée loin après 2 ans, c'est que cette personne t'aime vraiment. Et pour on a dit dans le chumba David, nous allons dans le territoire de Miabi, dans le village de Bakouakassans, à Ona Boya. Je souhaitais que premièrement, c'est parce que je l'aime beaucoup. Deuxièmement, c'est parce que Natsika qui est dans moi. C'est une journée spéciale pour les centres d'entraînement des troupes de parachutistes commando qui vient de dévoiler les secrets de la première étape consacrée aux démonstrations au sol. C'est là après 18 mois de formation à la base Lumwe, grâce à la volonté du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut faire de l'armée une armée modernisée apte à faire face à toutes sortes d'éventualités. Voici la preuve. Go! Ces 224 cadres constituent les premiers bataillons de parachutistes commando utilisés à ce jour toutes les matières reçues durant les 18 mois à travers les différentes démonstrations qui prouvent qu'ils sont capables de franchir les caps. La deuxième étape qui reste à franchir sera consacrée aux démonstrations au vol. Rappelons que ces 824 éléments sont formés par les instructeurs congolais avec à la tête le colonel Dem et Siko Monga Tony. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.